Hey, bien sûr à tous, même si cette attaque, j'espère que vous allez bien. Écouter. Moi, ça va nickel, et vous avez vu, là, je suis pas allé trop vite pour l'intro, hein. Là, j'ai essayé de faire assez lentement pour qu'on comprenne bien. Ça se trouve, vous venez de comprendre mon intro, en fait, que je fais depuis 2 ans, mais je parle tellement vite que vous la comprenez pas. Ouais, non, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous préférez comme ça ou quand je vais vite. Bon, du coup, on se retrouve pour l'épisode 2 Dark Enix sur cette super belle vue. Je suis super content de vous retrouver pour le deuxième épisode. Et comme vous avez pu le voir, là, oui, je suis sur notre serre. Oui, c'est très respectueux pour le verre. Mais du coup, j'ai fait une serre et on a une cuisine industrielle. On est en train de faire pour faire des kibbles. Mais ça, je le fais en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Sur Twitch, on fait plein de trucs. On tame, on construit, on farm, on fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description et s'affiche en bas de l'écran. Mais nous, aujourd'hui, et ben nous allons faire, comme dans le dernier épisode, nous allons faire de la construction, pas que, hein, on va faire plein d'autres choses à côté, mais on va faire un peu de construction, parce que vous êtes pas sans savoir que sur le serveur Yannix, c'est un cluster, il y a toutes les maps du jeu, donc tout. Moi, le seul DLC que j'ai pas, c'est le Genesis, donc bah, pour l'instant, pour pas te faire de map sur le Genesis. Bref, on va faire une base, et du coup, on va faire la base sur Extinction, parce que c'est bah, le DLC le mieux après Valguero, parce que sur Extinction, il y a plein de trucs, il y a les poteaux pour avoir du cristal, du métal, et il y a tout ce qui est poussière d'éléments pour pouvoir crafter les éléments, le tech et tout. Donc du coup, on va faire une base sur Extinction, on va la faire en métal, donc je vais aller farm du métal hors cam, sûrement un peu avec Tsuke aussi, et puis je vous retrouverai une fois que j'aurai toutes les structures et sur Extinction du coup. Et du coup, bah, on fera des bases aussi sur toutes les maps, donc pas que sur Extinction. On a pour projet de faire une base sur chaque map, donc c'est un objectif, hein, de faire une base sur chaque map. Mais du coup, vous inquiétez pas, on fera ça au fur et à mesure des épisodes, on va pas faire que ça. Là, c'est vraiment parce qu'il nous faut une base sur Extinction pour pouvoir avoir des éléments et tout. Mais du coup, je vais faire ça et puis je vous retrouve tout de suite après, une fois qu'on a tout. Et vous inquiétez pas, on va faire d'autres trucs aussi dans l'épisode. Allez, let's go, je pars farmer, l'intro est déjà trop longue. Ok, donc on se retrouve sur Extinction, ça y est. Alors, j'ai craft, mais j'ai pas fini, vous allez voir, hein. J'ai commencé, parce que attention, voilà, donc ça va être un petit peu grand, hein. Ouais, voilà, en gros, la base, elle va faire tout ça. Déjà, je voulais la faire beaucoup plus grande, mais je me suis dit, non, en fait, j'ai la flemme. Mais du coup, ça va être full métal, donc vous voyez, les gants, là, il y a une behemoth, il y aura une behemoth de ce côté-là aussi. On est juste à côté d'un city terminal, regardez le city terminal pour se transférer. Et juste ici, du coup, ça va être super... bon, ça va aller très très vite, hein, comme ça on est cool. Et du coup, ouais, elle est juste là. Donc en gros, là, il y aura une behemoth, là, comme ça, vous voyez, on pourra faire entrer des dinos. Et ici, là, ce sera un mur de verre, et comme ça, on aura une super belle vue sur cet obélisque. Qui est, je trouve, trop jolie, la vue d'ici, mais regardez les gens, elle est trop jolie. Elle sera pas finie dans cet épisode, je continuerai hors cam au fur et à mesure des épisodes, et puis vous verrez dans des prochains épisodes, quand j'aurai fini, je vous montrerai ça, mais ce sera pas pour tout de suite, hein, surtout qu'en plus, on va avoir d'autres trucs à faire, genre là, va falloir qu'on fasse direct, c'est tout, pour les boss, hein, tout simplement, les règles, ce serait cool. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti, let's go. Ah, non, let's go, j'ai dit. Let's go. Ok, donc on se retrouve maintenant sur The Island et nous allons essayer d'aller time un petit Takatina pour faire plein de ciment. Alors regardez, on en a déjà quelques-uns dans le sous-terminal, regardez. La 4 que Tsuki a acheté, et regardez, ça produit tout seul du ciment et du polymère organique. Mais je trouve qu'on en a pas assez, on en faut plus, du coup on va aller en time le plus possible. On a beaucoup de gâteaux, regardez tout le gâteau qu'on a, vraiment. J'en ai farm beaucoup, regardez, 96, voilà, hein. Donc avec ça je pense qu'on va être tranquille avec cette belle petite serre là, on est tranquillou balou. Ouais, non, on va pas en refaire, ça sert à rien. Donc écoutez, on va tout de suite prendre un griffon. Un griffon, un argentavis. Non, un griffon, parce qu'on pourra tirer depuis dessus. Alors je vais juste aller voir, j'ai mis des Deinonychus à farmer pour qu'ils aient pour avoir plus d'eux. Et puis bah apparemment c'est bon, c'est en train de... Ouais, c'est en train de... C'est bien. Tout est automatisé, hein, vraiment. Ramassage des œufs automatique, imprint et donnage à manger gratuit aussi. Alors j'ai juste désactivé imprint, voilà. Bon bref, alors le griffon, on va aller chercher un Akatina. Bon écoutez les gens, en vrai je pense que je vais aller le chercher tout seul parce que sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Donc ah voilà, mon griffon il est là. Donc écoutez, je vais chercher un Akatina. Et puis bah je vous dis à tout de suite une fois qu'on j'aurai la Katina. Allez, à tout de suite. Ok, ça y est, donc j'ai trouvé un escargot, donc on est dans les marais. Par contre c'est pas le meilleur endroit pour faire ça. Mais bon écoutez, c'est pas trop grave. Lui on va le mettre en passif. L'escargot il est niveau putain 130 en plus. Alors lui regardez, j'espère que je vais pas lui mettre trop de vie. D'accord, donc déjà il prend pas. Donc bah ça c'est super. J'ai un peu peur qu'il prenne cher, j'ai beaucoup de balles. Ah oui, 48 effectivement. Heureusement que j'ai pas mis dans ma tête, mais bon, au moins toute sa torpeur s'est mise. Il lui faut combien de gâteaux? 3 gâteaux, 3 gâteaux. Donc tu m'en donnes 1, 2 et 3, voilà, merci.
Et puis on va en chercher d'autres, hein. On va pas en prendre qu'un seul, ce serait vraiment pas bien du tout. D'ailleurs non, en attendant qu'il se réveille, je voulais juste vous dire que normalement cette vidéo sort bien le bonjour, donc lundi, je vais bientôt commencer l'aventure sur Aberration, et je la commencerai en live, donc sur Twitch, donc normalement je la commence mardi à 15h, 15h30 à peu près, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, il s'affiche en bas de l'écran, je crois qu'il s'est déjà affiché, oui c'est déjà affiché, donc bah n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, puisque bah on va commencer l'aventure sur Aberration, donc ce serveur, je vais découvrir Aberration pour la première fois en live, ce sera cool, alors par contre ce serait bien que tu manges mon petit... Ok, donc regardez, nous en avons un autre ici, 140. Donc l'autre est toujours en train de se tame, hein. Du coup, j'ai pas les gâteaux par contre. Ça, c'est un petit peu juste dommage. Alors, eux, par contre, ça va dégager. Ok, alors, tac. Alors là, on va essayer de mettre dans la tête un petit peu, parce que. Alors, attends, j'ai que des problèmes là, oh. Laissez-moi tranquille. Non, mais c'est une blague là. Non, mais y a tout contre moi là. Déjà, laissez-moi tranquille, les mecs. Ça commence à m'énerver là. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant tu vas prendre ta torpeur, oui. Oxygène, d'accord, alors attendez, on va juste aller récupérer, ouais, l'autre avant qu'il se réveille en plus. Alors attendez, j'étais lequel? Attends, ah là là, je comprends plus rien de ce qui se passe. Bon écoutez, je vous retrouve tout de suite après là, parce que ça commence à être du grand n'importe quoi là. Ok, donc j'en ai trouvé un troisième, bon il est que niveau 20, mais ça va le faire quand même. Parce que de toute façon, tant qu'on en a, on en a, ça c'est cool. Alors, il a combien de vie par contre? 90 de vie. Mais pourquoi il prend pas? Bon, je lui mets dans la queue là, ça sera plus simple. Normalement, du premier coup, enfin du deuxième peut-être. Non, du premier coup. Non, non, viens sur moi. Alors, bon, écoutez, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter à 3, ça sert à rien d'en avoir plus. Donc écoutez, je vais ramener tout ça à la maison et je vous dis à tout de suite, on se retrouve du coup à la base. Ok, donc du coup je vais mettre l'Ipitizacatina là-dedans et du coup bah ils vont produire du ciment tout seul et du polymère organique. Du coup, en attendant, on a des griffes parfaits qui sont nées, donc on a déjà un mâle parfait. Et là nous avons une petite femelle parfaite, normalement c'est laquelle? Attendez, faut que je la trouve. Juste que je regarde si elle a pas de mutation. Et si elle a pas de mutation, je vais pouvoir la faire grandir et la mettre à s'accoupler avec lui. Alors est-ce qu'elle a des mutations? Elle a zéro mutation. Et ben ça les gens c'est super cool. Alors juste elle a de la nourriture. Alors je vais aller chercher là, puisque je pense pas que c'est dans la range. Donc je vais aller chercher la nourriture ici. Alors donne-moi. Ça et la moitié, hop là, merci. Petit griffon, on arrive. Donc ça c'est plutôt pas mal et comme ça on va pouvoir les vendre au shop en plus, non, à peu près 4000 unités. Et ça les gens, ça va être trop cool. Bon bah écoutez, je fais ça et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de la vidéo. Ah bah oui, en fait d'ailleurs pour les griffons, bah oui, on peut les reproduire ce serveur. Hein. Il y a un mode de pour y reproduire tout simplement, regardez, mâle, femelle. Et ça du coup les gens c'est vraiment trop cool. Là on peut avoir des griffons parfaits. Et ça c'est vachement bien sur ce serveur. Il y a rien de mieux en fait. C'est trop bien, ils sont trop bien. Ok donc maintenant j'aimerais bien faire des BP pour avoir des bons BP et puis pouvoir essayer de vendre un petit peu tout ça. Alors du coup les meilleurs BP c'est dans l'eau, surtout sur Crystal Health. Et du coup pour ça on va tame une manta. Donc les mantas les raies manta quoi, c'est des raies. Donc du coup je vais tame ça. Alors pour ça il faut de l'angleur. Et pour avoir de l'angleur il faut un angleur fish. Donc bah écoutez on va s'occuper de ça tout de suite. Alors je vais prendre cette petite arbalète qui est Atsuki et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Ok alors juste petit aparté, je suis en train d'aller au spawn d'angleur. Mais regardez avec Nash Speedy Flyer, donc pour augmenter la vitesse des dinos, on va trop vite en Argentavis les gens. C'est trop bien, normalement on va pas aussi vite quoi. Normalement ça c'est quand on sprint en normal. Ça voilà comment, voilà. Il y a une grande différence quand même hein. Vraiment on va super vite et ça vraiment c'est trop bien. Et d'ailleurs on est presque arrivé en fait. Donc en fait je vais vous garder. Normalement il y en a là des anglers. J'espère que il y en a voir. Normalement il y a un spawn commun ici. Là dans ce petit enfoncement ici. Et j'ai ramené une tenue de plongée aussi. D'ailleurs je vais peut-être la mettre. D'ailleurs j'aurais peut-être dû. Attendez. Je vais. Wow, comment il va trop vite. En fait, je vais pas lui dire de me suivre parce qu'il va trop vite. Ok, alors il se pourrait que je n'ai pas pris les anglers. Ouais alors j'en ai pas trouvé sur Algaro et je suis allé sur Crystal Health, j'en avais pas trouvé non plus. Et vraiment sur Crystal Health c'est la guerre, c'est vraiment la guerre dans les océans, il y a des mégalodons de partout, c'est n'importe quoi. Donc écoutez et puis bon là j'étais pas prêt et puis de toute façon j'ai pas le temps pour chercher plus loin. Donc écoutez je ferai sûrement ça en live ou dans le prochain épisode, dans tous les cas on fera dans le prochain épisode. Si je le fais en live je mettrai un petit condensé. Mais écoutez bah moi je vais vous dire au revoir pour cet épisode, c'est déjà à la fin. Et oui comme vous l'avez compris j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez vu j'ai changé un petit peu, j'ai mis de la musique en fond. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Si vous êtes resté jusque là, mettez gros escargots dans les commentaires. Comme pour Akatina, le sujet principal de cette vidéo, ouais c'est ça. Mettez gros escargots dans les commentaires, pardon. Et puis vraiment, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve demain, du coup, en live. Et puis bah, écoutez les amis, bah, on se retrouve même pour plein de jours en live. C'est trop cool les lives. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout, 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 à vous abonner si la vidéo vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Tintag, à la prochaine. A plus.